tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de l'année 2020. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma dernière expérience chez le coiffeur. Et je voulais vous donner quelques petits conseils. Tout d'abord, ma couleur, je l'ai faite au mois de décembre, début décembre. Donc moi, je suis allée à l'atelier de Marianne qui se trouve à Sainte-Suzanne. Donc pour les filles qui sont à La Réunion. Premier conseil pour les filles qui ont les cheveux frisé à boucle. Lorsque vous allez chez le coiffeur, soit vous vous démêlez les cheveux chez vous, vous faites des nattes et tout, et après vous allez chez le coiffeur, soit vous ramenez votre peigne avec vous, s'il vous plaît. Je sais que la coiffeuse est assez débordée avec les clientes et tout. Elle va pas perdre son temps à nous tirer sur les cheveux en nous démêlant les cheveux. Car je comprends tout à fait qu'elle peut faire en attendant, parce que nous ça prend beaucoup de temps, voilà. Donc elle peut faire en attendant un shampoing ou une coloration ou un truc comme ça en attendant. Donc je trouve ça assez normal que la coiffeuse nous dit, eh ben écoutez, démêlez vous-même vos cheveux. Voilà, histoire de ne pas nous faire mal ou quoi que ce soit, vu que nous on est habitués. Et du coup, ce jour-là, j'ai démêlé mes cheveux au coiffeur. Donc déjà, ils m'ont donné une grosse brosse, voilà, que j'avais pas l'habitude de brosser mes cheveux avec, et du coup j'étais vraiment pas bien, j'avais du mal à me les démêler et tout. Et là, il y avait des dames, et lorsque j'étais en train de tirer comme ça pour démêler et tout, et ben ces dames là étaient en train de rire en fait de ma chevelure. Ce type de cheveux, lorsque vous les démêlez à sec, mais vous avez une touffe quoi, vous avez un volume de ouf, un afro de ouf. Vous avez des gens qui sont gentils, qui vont vous dire voilà, qu'ils adorent votre afro, mais que eux ils pourront pas assumer ça ou quoi. Et vous avez des gens qui vont regarder comme ça et rire de vos cheveux, rire de la situation. Donc ce qui m'a un peu mis mal à l'aise sur le coup, en sachant que cette dame-là, elle était un peu âgée. Hein. Désolée, j'ai la voix qui tiraille un peu, je suis un peu malade, je suis sur la fin, voilà. Et en fait, cette dame-là, elle avait les cheveux mais très frisés. Et donc, elle est venue chez le coiffeur pour se faire un brushing. Et elle s'est mise à rire de mon afro, alors qu'elle-même a les cheveux frisés qu'elle n'assume pas. Et du coup, comme j'étais un peu mal à l'aise, je me suis dit, bon, écoute, ne t'inquiète pas, elle sait pas de quoi elle parle et tout. Vas-y, prends ton téléphone, assume ton afro. J'avais une grosse touffe, mais un volume. Oh là là, je me demande d'où sort tout ce volume. Et du coup, j'ai pris mon téléphone et là, j'ai commencé à faire regardez mon afro et tout. Je vous ai fait des stories sur Instagram, du coup, ce jour-là. Et là, quand elle a vu que j'avais fait ça, et ben, elle a arrêté de rire. Elle m'a regardée en mode ah mais je comprends pas pourquoi elle fait ça en fait, c'est trop moche, et elle se filme, elle se prend en photo et tout. En fait voilà, c'est juste pour vous dire que vous aurez des gens qui vont se moquer de vous, vont se moquer de certaines situations, surtout quand on est chez le coiffeur et qu'on se doit de démêler nos cheveux à sec. Il y a des gens qui vont rire de ça ou quoi, mais tout dépend de l'attitude que vous avez par rapport à ça. Donc si vous êtes là à vous cacher sous vos cheveux comme ça, oh non je n'assume pas, oh non c'est trop moche, oh non, et tout, bah les gens ils vont se sentir, ah ouais c'est vrai tes cheveux sont trop moches ma fille, tu devrais faire un lissage et tout. Tandis que si vous avez vraiment une attitude qui montre que, et moi j'assume hein, c'est mes cheveux, vous voyez, c'est tendance, c'est nappy hair, curly hair. Ouais, c'est tendance, toi t'es has-been. Et ben, les gens vont se dire, ah ouais, quand même, elle assume quoi. Chapeau quoi. Franchement, voilà. Et ben, du coup, voilà, j'ai retourné la situation. Et du coup, je suis passée de mal à l'aise à, écoute, je m'en fous, tu peux rire, tu peux faire ce que tu veux. Moi, voilà, j'ai mes abonnés qui adorent mon afro, gna gna gna, en story sur Instagram et tout. Et du coup, bah voilà quoi, ça s'est super bien passé. Mon deuxième conseil, c'est assumer vos cheveux à l'état naturel chez le coiffeur. N'ayez pas peur en fait de l'autre personne qui a les cheveux lisses et tout, qu'est-ce qu'elle va dire de mon afro, nanana. Non, non,
assumer à fond la caisse. Il n'y a que les coiffeurs qui vont venir vers vous pour vous dire waouh, j'adore ton volume, j'adore et tout, mais sinon les hommes, ne faites pas attention à eux, ils se font défriser les cheveux tous les jours, donc franchement, nous on a les cheveux en bonne santé, on a des afros, on a du volume, voilà, c'est nous, c'est comme ça, on peut rien faire. Bon bref, ça c'était mon deuxième conseil, assumez votre touffe de cheveux sec au déménage chez le coiffeur. Ensuite, un autre petit conseil. Alors du coup, quand j'étais dans le salon de coiffeur, et ben il y avait une dame. Cette dame, elle arrive et elle dit voilà, moi je veux changer de tête. Ok, tu veux changer de tête et tout. Donc qu'est-ce que tu voudrais? Ah, je veux devenir blonde. Alors la dame, elle était brune. Elle veut devenir blonde. Elle veut changer de tête. Voilà. Du coup, la coiffeuse arrive et elle lui dit bah vas-y, choisis ta couleur, choisis ton blond. Ah, moi je veux un blond Barbie. Un blond Barbie. Mais en vrai, j'ai pas compris pourquoi la coiffeuse ne lui a pas dit que pour avoir des mèches blondes lorsque vous êtes brune, il faut absolument changer votre base. Vous ne pouvez pas avoir changé de tête, avoir des mèches blondes comme ça et ne pas changer de base. C'est impossible, ça fait moche. Je l'ai déjà fait, au départ c'est ce que j'avais fait, hein, j'avais pas fait de mèche, j'avais fait une décoloration, mais j'avais pas changé ma base. Mais quand vous avez une décoloration ou même des mèches blondes et avec une base châtain foncé, pour ne pas dire noir, c'est pas beau. Enfin, moi personnellement, je trouve pas ça beau. Du coup, cette dame, elle s'est fait des mèches blondes. Des mèches qui étaient blondes et qui ont viré un peu au blanc et tout. Mais comme elle a les racines bien bien foncées, et ben le blond ressort plus blond que blond. Voilà. Et du coup, bah elle a pas aimé quoi. Elle a pas aimé du tout, donc il fallait recommencer. Mon troisième conseil, renseignez-vous. Renseignez-vous sur ce que vous voulez. Ne débarquez pas comme ça en disant ah je vais changer de tête, à part si si le coiffeur est visagé, s'il a vraiment une très bonne réputation et tout. Mais renseignez-vous déjà sur si je veux être blonde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quelles sont les différentes couleurs qu'on doit faire. Parce que quand on fait du blond, on n'a pas ce blond là dès le départ. Voilà, le blond vieillit, soit il vieillit bien, soit il vieillit mal, en fonction du soin que vous allez faire dans vos cheveux. Voilà. Et du coup, cette dame, le conseil que moi je pourrais lui donner, c'était renseigne-toi avant de demander d'avoir du blond. Quand on veut du blond, on change déjà sa base et après on se fait des mèches. Et je pense que pour elle, le plus simple, comme elle avait les cheveux assez lisses, c'était pas des mèches qu'il lui fallait, parce que ça fait épais, ça fait... Voilà, c'est pas des mèches qu'il faut, c'est un balayage. Voilà, un ombré ou un balayage. Là, vous avez vraiment des mèches qui sont naturelles, qui sont assez fines, qui se mélangent en fait à la couleur de base, voilà, mais aussi à votre couleur naturelle, enfin voilà. Et du coup, c'est pas des mèches. Les mèches, il faut oublier, je pense. Les mèches, ça, c'était avant. Aujourd'hui, c'est balayage ombré, c'est plus de mèches. Donc, pour elle, je pense qu'il fallait plus qu'elle fasse déjà une base et ensuite qu'elle fasse un balayage qui aurait été un peu plus naturel et qui aurait un rendu un peu plus beau. Maintenant, mon quatrième conseil, c'est de connaître le langage, le jargon des coiffeurs. Renseignez-vous sur internet, vous avez tellement d'informations. Vous tapez qu'est-ce qu'un ombré, quelle est la différence entre des mèches ou un balayage ou un ombré. Vous avez tellement de définitions, d'informations. Vous allez sur YouTube, vous avez tellement de vidéos sur tous ces mots, toutes ces différences et tout, que franchement, allez vous renseigner avant d'aller au coiffeur. Alors, du coup, pour revenir à cette dame. Cette dame, elle a fait des mèches blondes qu'elle n'aimait pas du tout, donc ils ont fait un patinage pour enlever le blond. Et finalement, elle est ressortie du coiffeur.
elle est ressentie triste parce que elle voulait changer de tête. Et quand elle a vu les couleurs que moi j'ai fait, mais moi j'avais juste demandé à remonter le blond, voilà, parce que j'avais quand même, ma racine avait quand même bien poussé. Je lui ai juste dit, écoute, refais-moi mon blond et refais-moi une base, quoi. Mais une base un peu moins parce que j'avais une base quand même assez orangée. Donc j'ai dit, une base assez moins orangée et tout. Elle m'a tout à fait compris, la couleur était nickel. Donc je vous dis pas le regard que la dame m'a jeté en mode, toi c'est trop beau, moi c'est trop moche. Bon, c'était pas trop moche, mais c'était, voilà, ça changeait pas, quoi. Ça changeait pas de d'habitude. Malheureusement, lorsqu'ils ont fait le patinage, c'est devenu des mèches un peu miel et tout ça. Alors que là, elle voulait vraiment blond, elle voulait vraiment ma couleur, quoi. Donc voilà. Et ensuite, il y avait une autre dame qui, elle, avait une couleur. Elle avait les cheveux, mais très longs, typé indien. Et elle avait une couleur qui arrivait à là. Comme un peu un tie and dye. Et en fait, elle voulait la même couleur, mais juste le remonter au niveau de la racine. Mais laisser sa racine, en fait. Et en fait, pour ce type de coiffage, ça s'appelle un contouring. Un contouring, ça contourne le haut de la tête et vous avez vraiment la couleur comme ça. Mais sauf que la dame, elle avait oublié comment ça s'appelait. Du coup, elle a demandé à refaire comme la dernière fois. Mais le problème, c'est que la coiffeuse, elle voit beaucoup de monde. Elle voit beaucoup de monde, donc là elle se rappelle plus vraiment de ce qu'elle a fait, de ni comment elle a fait et tout. Et du coup là elle dit je veux comme la dernière fois et tout, je veux la même couleur, mais voilà, que tu me les remontes un peu au niveau de là. Donc la coiffeuse, elle a fait quoi? Elle a fait comme la cliente a demandé. Elle a remonté un peu la couleur. Et en fait, quand la couleur était posée et tout, shampoing, ça ne lui convenait pas. Pourquoi ça ne lui convenait pas? Parce qu'elle n'a pas dit le mot magique, le mot contouring. Je veux un contouring. Du coup, la coiffeuse, elle n'a rien compris. Elle a dit, mais tu m'as dit de les remonter. Donc, si tu m'avais dit contouring, je t'aurais dit, ok, tu vois. Là encore, pour ne pas sortir du coiffeur déçu, il faut se renseigner un minimum. Renseignez-vous, même quand par exemple vous aimez une coiffure ou même une couleur que la coiffeuse vous a fait, ou le coiffeur, pardon, demandez-lui, qu'est-ce que tu as fait dans mes cheveux, quelle est la couleur, quel est le numéro. Comme ça, eux ils savent que quand vous revenez, vous savez de quoi vous parlez, vous savez quelle couleur. Parce que là, si vous dites, je sais plus, la dernière fois il m'avait mis ça, mais je sais plus trop, en fonction des coiffeurs que vous avez ce jour-là, peut-être pas les mêmes, le résultat sera pas pareil. Renseignez-vous sur ce que le coiffeur vous a fait et que vous avez aimé. Gardez-le en mémoire, d'accord? Et la prochaine fois que vous allez, vous allez dire, je veux un contouring comme la dernière fois. Dites pas, faites juste comme ça, là. Voilà. C'est compliqué, j'avoue. Mais voilà, mes conseils. Moi, quand j'étais là-bas, j'étais vraiment satisfaite, mais vraiment satisfaite. Mieux que la dernière fois encore. Et les filles, elles m'ont regardée comme ça, avec des yeux trop jalouses. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui a fait qu'elles ne sont pas satisfaites alors que moi je suis dans le même coiffeur et que j'étais satisfaite? Et en fait, c'est juste dans la première partie où le coiffeur vous demande ce que vous voulez. Et je pense que c'est la partie la plus difficile, c'est de faire comprendre au coiffeur ce que vous voulez vraiment. Et le coiffeur doit vous faire comprendre ce que lui il a compris que vous voulez. Voilà, du coup, je fais cette vidéo là pour vous aider vraiment, pour que quand vous alliez chez le coiffeur, vous savez vraiment ce que vous voulez, vous avez vraiment le jargon que vous cherchez vraiment. Moi, quand j'ai décidé de faire mes mèches blondes ou mon balayage, mon ombré ou quoi, je me suis renseignée. J'ai regardé sur YouTube. Ah oui, cinquième conseil, la photo.
Alors, je sais pas s'il faut vous conseiller de montrer la photo au coiffeur ou vous conseiller de ne pas montrer de photo au coiffeur. Parce que ça peut jouer en votre faveur comme pas. Bien souvent, vous pouvez arriver et là, vous voyez avec des filles avec des cheveux blonds, mais un très 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 beau blond. Mais ce blond là, c'est un blond, c'est un vieux blond, d'accord? Des fois, on fait des couleurs, donc le blond est très blond, très jaune, très, très orangé ou quoi. Et au fur et à mesure que la teinture s'en va, que les cheveux poussent et tout, le blond devient d'une autre façon. Donc la photo qu'on va montrer au coiffeur ne correspondra peut-être pas au blond que lui il va appliquer sur vos cheveux et ça n'aura pas du tout le même résultat. Le problème en fait c'est que le coiffeur des fois quand vous lui parlez, vous lui disiez voilà moi j'aimerais bien un ombré, j'aimerais bien un balayage et tout avec des mèches blondes, me changer la base et tout, et ben lui il a son idée. Donc il est coiffeur, lui il sait, il dit ouais ouais je vais faire un truc très beau et tout, et là vous lui montrez la photo. Ah mais c'est ça que tu veux? Ah ouais d'accord ok. Et là ça lui change tout alors que au départ il avait dans sa tête qu'il a un projet où il allait faire vraiment un truc très très beau. Et là vous lui montrez la photo et là il va dire ah mais non mais en fait c'est pas ça du tout que vous voulez madame, en fait c'est du miel ou c'est du marron clair ou un truc comme ça. Donc des fois c'est pas très très bon de montrer une photo et moi je pense que les coiffeurs détestent ça. Ils détestent quand on leur montre des photos parce que bien souvent ils n'arrivent pas en fait à nous faire exactement la même chose parce qu'on n'a peut-être pas la même texture de cheveux que la fille sur Instagram, on n'a peut-être pas... Nos cheveux ne vont pas réagir exactement pareil en fonction aussi de la coloration qu'on a juste avant ou en fonction des soins qu'on utilise. Donc c'est assez compliqué de montrer une photo quand même. On peut dire bon voilà je vous montre quand même une petite photo juste pour avoir l'idée de ce que je voudrais, mais quand même je reste sur ce que je vous ai dit, nanana, restez sur votre projet, ne vous laissez pas perturber par ma photo, voilà. Bon, après moi j'accepte beaucoup quand je sors du coiffeur, je suis pas là à me dire ah non je vais tout changer et tout. Il y a quand même un moment d'acceptation, d'accord? Certes il y a des coiffures et des colorations ratées, d'accord? Et je pense que ça, ce sera mon 6e conseil. Il y a aussi un moment d'acceptation. Pensez que le coiffeur il a quand même fait un travail, il c'est quand même un professionnel. Dans la plupart des cas, il sait ce qu'il fait. Ayez quand même un minimum d'acceptation. Parce qu'on se voit pas, on n'a pas l'habitude de se voir avec des cheveux blonds ou des cheveux noirs ou des cheveux rouges. Donc il faut un minimum d'acceptation. Voilà. Ah oui, petite chose. Surveillez ce que fait le coiffeur. Parce que souvent vous avez des stagiaires en fait. Vous avez des personnes qui sont là et qui viennent tout juste d'arriver, qui commencent seulement. Ce n'est pas parce que vous êtes chez le coiffeur que vous ne pouvez pas leur contredire ou leur dire « Par contre, excuse-moi, mais là, tu vas faire quoi avec ça ?» Vous voyez, je prends un exemple. On avait fait ma coloration et on devait faire mon shampoing. Donc la coloration, ça dessèche les cheveux et tout. Elle me fait mon shampoing, et ça c'était la petite nouvelle, la petite stagiaire. Elle me fait mon shampoing, et là, elle voulait démêler mes cheveux mouillés sans mettre de démêlant. Et j'ai tout de suite senti que mes cheveux étaient rêches, étaient desséchés, étaient cassants. Et quand j'ai compris qu'elle allait me brosser les cheveux sans démêlant, je me suis dit, excuse-moi, mais là si tu mets pas de démêlant, mes cheveux, tu vas les casser en fait. Donc, certainement, la stagiaire ou même il y a des coiffeurs, ils n'ont pas vos cheveux. Ils n'ont pas nos cheveux. Donc, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas ce réflexe, en fait, de mettre la tonne de démêlant pour pouvoir démêler, pour ne pas casser nos cheveux. N'ayez pas peur de dire quelque chose. Au contraire, posez des questions. J'utilise du démêlant à chaque fois pour démêler mes cheveux. Je les démêle sous la douche. Je prends des masques et tout. J'en mets la tonne de trucs pour justement que le démêlage se fasse en douceur et que j'ai le moins de cheveux cassés possible.
Et là, je vais chez le coiffeur. Ils font une coloration à mes cheveux. Et elle allait ne pas mettre de démêlant. Restez quand même ouvert, faites attention, demandez, posez des questions. Pourquoi vous faites comme ci, pourquoi vous faites pas comme ça. Moi, je connais mes cheveux. Je sais que là, si tu vas le démêler comme ça, tu vas les casser. Je pense que je vous ai tout dit. Voilà, en tout cas, si vous voulez en connaître plus sur ma coloration, ou mes soins, ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à m'envoyer vos suggestions de vidéos. Je vous fais de gros bisous et j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye !